Allô? 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 Parlez plus fort parce que je suis très vieux et très sourd. Avant, je me sentais pas vieille, tu sais. Non, non, non. C'est pas un gros mot, être vieux. C'est pas un gros mot. Il y a toujours eu un conflit de génération. Alors que... on devrait s'entendre, justement. On ne veut pas voir ni ce qui vieillit, ni ce qui meurt. On nous dit, vous avez le droit de vieillir, à condition de rester jeune. On est invisible quand on est vieux. Je suis seul, je vis seul, donc les journées sont longues. Parce que nous, on n'a plus d'avenir quand on est ancien. Moi, j'ai mal aux genoux, j'ai mal ici, j'ai mal là, je marche avec deux cannes. On ne veut pas nous voir, et surtout, on ne veut pas nous entendre. Ne nous taisons pas. Ne nous taisons pas. Mais je vis la période la plus extraordinaire de ma vie. J'ai tellement envie de faire des choses. J'ai tellement envie de faire des choses. Pour moi, la vieillesse, c'est une chance. J'ai les jambes, j'ai les bras, j'ai la parole. J'ai toute ma tête, tu comprends? Tout se déglingue, mais c'est une envolée. Mais le titre exact, ce serait quoi? Schnock seulement? Schnock? Je sais même pas ce que ça veut dire. Eh ben, moi, c'est forcément associé à vieux. C'est vrai, les vieux schnock, oui. C'est pas un schnock, hein, c'est forcément un vieux schnock. On est d'abord vivant avant d'être vieux. D'ailleurs, il faut pas associer les deux. Faut laisser schnock sans le vieux, pour lui donner un coup de neuf, un coup de jeune.